Eh bien bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de Galio Mid. Galio, un champion que je voulais présenter parce qu'à ce moment, il est plutôt pas mal à la mid lane. Il a quelques builds qui sont assez intéressants. Et c'est une alternative intéressante à juste jouer des Akali ou aller essayer de chercher des mages classiques. Et ça contre tous les assassins qu'ils ont en ce moment relativement en forme. C'est pour ça qu'on va parler de différentes choses dans Galio. Déjà, je vais vous présenter ces trois builds. On va parler de son build full AP. Et de pourquoi vous voulez jouer. On va parler de son build tank et de pourquoi il est plus fort. Et on va enfin parler de son build qui est surprenamment arrivé. Son build support, puisqu'il y a un item support en début. Et de pourquoi il est vachement pratique. Et bien entendu, dans tout ça, on va faire une vidéo comme d'habitude sur les larivas. C'est-à-dire qu'on va parler de tout ce qui va te permettre de comprendre le champion et de le build sans avoir à regarder des vidéos toutes les semaines sur le pic. Juste un petit refresh de la méta te permettra normalement de le build. C'est pour ça qu'on va commencer d'ailleurs par la lecture des sorts. Et on débute avec la lecture des sorts où on a pas mal de choses à dire sur Galio parce que Galio est un champion qui fonctionne avec trois types de ratios. Vous allez avoir beaucoup d'AP, des ratios AP et des ratios résistance magie. Et le champion est fait pour contrer les mages. Donc on va prendre tout ça en compte au fur et à mesure de la lecture. On va commencer par le passif, qui est littéralement un fléau de la liche intégré en zone. Voilà, aussi simple que ça. Vous avez les ratios habituels, je vais vous expliquer très rapidement. Ça va scale en fonction de vos niveaux. Et c'est un sort qui va faire des dégâts de zone régulièrement, qui va revenir. Et dont le délai de récupération va être réduit de 3 secondes à chaque fois que vous touchez une des autres compétences. Alors, j'ai pas le délai de récupération ici parce qu'il n'apparaissait pas dans ma capture d'écran. Ça arrive, les tooltips sont parfois pas complets. Vous allez l'avoir, vous, in-game, il n'y a pas de problème. Et ce que vous devez rendre compte, c'est qu'ici, ça c'est un faux ratio. C'est juste comme ça remplace votre auto, et ça l'applique en zone. Ce qui est intéressant, c'est que ça va appliquer votre AD de base en zone. Voilà, et aussi votre AD bonus en zone. Donc techniquement, si vous jouez Galio Crit, ça c'est un crit en zone. C'est pas mauvais, c'est assez sympathique quand même. Accessoirement, vous avez une vitesse d'attaque accrue, de manière à ce que ça puisse proc à peu près tout le temps, quoi qu'il arrive. Et vous avez un bon ratio AP. Plutôt pas mal, quand on compare à ce qu'on veut mettre sur Galio à côté. Et un bon ratio résistance magie bonus. Grosso modo, vous partez du principe que vous allez avoir à peu près la même chose que les dégâts de base en plus. Ce qui est intéressant dans ce sort là, c'est que ça offre à Galio une opportunité de mettre des dégâts s'il a des combos parfaitement mis. Ce qui veut dire que Galio peut faire des dégâts avec son passif et que le ratio, on part du principe que vous allez en mettre 1 voire 2 dans le fight dedans, c'est un ratio de 90% AP. C'est plutôt pas mal. Moi personnellement, j'aimerais bien voir ça sur la plupart de mes champions, typiquement en Cuculux. Vous avez ça. Vous avez ensuite les vents de guerre. Alors les vents de guerre, c'est deux sorts en un. Le premier, c'est celui que vous allez voir, c'est les petits coups de vent qui partent de ses ailes sur les côtés. Ensuite, il y a la tornade. Alors, les petits vents, ils vont faire des dégâts qui vont scale à peu près en triple, ça va, et qui en ratio AP qui est plutôt sympathique. Et la tornade, en 2 secondes, elle va faire un pourcentage des PV max en dégâts magiques aux adversaires. Ce qui est intéressant dans cela, c'est que la croissance des dégâts de Galio était, au moment où ils ont fait le rework, surtout dans les ratios AP. Résultat, ce sort était capable quasiment de one-shot quelqu'un. Ça n'est plus le cas. Même si vous avez 500 d'AP, vous allez faire beaucoup de dégâts. Hein, on parle de 30% des PV max. C'est vraiment lourd. Mais ça va nécessiter pour vous de mettre tout le combo de manière à ce que ça fonctionne. Il y a un peu moins de dégâts flat, un peu moins de dégâts en scaling. Ce qui est intéressant, c'est que le délai de récupération vont baisser, le coût en mana va augmenter un tout petit peu. Donc vous avez un sort pour un A qui est un sort principal que vous allez généralement avoir tendance à vouloir monter, qui ici rentre très bien dans la catégorie « je veux monter mon sort ». Là, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a le bouclier de Dorn. De Duran. Ah, parce que c'est l'idole de Duran et pas l'idole de Doran. Excusez-moi avec le lore, c'est un peu particulier des fois dans les prononciations. Vous avez trois choses là-dedans. Vous avez le passif qu'il va avoir sur lui qui va lui fournir un shield magique. Vous avez le chargement qui lui permet de charger une zone. Et quand il relâche, en fonction de la durée de chargement, il va obtenir un taunt et accessoirement des dégâts. Donc le shield va scale principalement en fonction de vos PV bonus. Toto. C'est ratio en PV Toto ce que vous voyez ici. Et quand vous maxez le sort, vous passez de 7,5 à quasiment 14%. À 13,5. Donc vous avez quasiment une... On double à un level près la valeur du shield. Ce qui le rend à hauteur si c'est un peu plus fort qu'un Rookern. C'est pas mal. Ça veut dire qu'il a un Rookern en passif.
Vous avez la charge. Déjà, la charge, il y a deux effets. Galio va se ralentir. Donc ça, c'est un peu embêtant parce que c'est vraiment charger le Z de Galio. C'est un outil d'engage de follow-up. Et si on le ralentit, ça peut permettre de s'enfuir. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'en fait, comme vous augmentez la distance de range, c'est un peu fallacieux dans le sens où vous êtes ralenti, mais vous augmentez la range du sort. Donc c'est juste pour pas être à même vitesse et agrandir la range au fur et à mesure. Ce qui est intéressant, ça va être de contrer ça dans les items. On en reparle après. Et il y a une réduction de dégâts magique et physique, et pas physique et magique, d'habitude c'est l'inverse qu'on fait, parce que c'est la réduction de dégâts magiques qui est importante sur Galio, entre son shield et ça. Accessoirement, le ratio c'est vous allez tanker deux fois moins en AD que en AP, parce que Galio est un anti-mage. Globalement, ce qu'il vous faut comprendre, c'est que vous démarrez à 25, quand vous le montez, vous allez arriver à 45%, Sur ce, si vous avez 500 d'AP, ce qui est quelque chose qui peut se faire quand vous êtes à en Galio full AP, vous allez rajouter 20% supplémentaire. Donc là, vous êtes à 65% anti-AP. Donc ça veut dire que même si vous êtes à Galio full AP, quand vous faites face à un mage, le mage, il a l'impression de voir un Horn full tank en face. Accessoirement, si vous jouez tank, vos ratios ils sont différents, vous allez avoir 2000 points de vie de plus. Donc ici, vous allez gagner 20% avec 2000 points de vie en plus. Accessoirement, vous allez généralement vous dire que vous allez avoir 100 de MR bonus en plus, si vous jouez tank, hein, voire probablement un peu plus. Donc vous pouvez compter sur le fait que ce sort, il va allègrement monter aux alentours des 70-75% de réduction des dégâts magiques. Ce qui veut dire que si vous êtes agressé par un mage, c'est génial. Si vous êtes agressé par un AD, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez la moitié de cette réduction. Ce qui est intéressant, c'est que ce bonus de résistance qui est pendant la charge, il se maintient si vous touchez un champion pendant 2 secondes. Ça veut dire une chose, que vous avez une charge, pendant ce temps-là, vous avez la réduction, et ensuite, vous avez 2 secondes de CD. Vous avez 2 secondes de buff. Votre sort, vous allez le passer de 18 à 14 une fois que vous l'avez monté. Ce à quoi vous allez appliquer un peu de réduction des délais de récupération, parce que, spoiler alert, il y en a un peu partout chez Galio. Donc ça veut dire que ça va tomber sous les 10 secondes, on va être gentil, ça veut dire que 40% du temps vous êtes invulnérable aux AP en late game. C'est pas mal. Et accessoirement, vous avez une provocation qui dure de 5 à 1,5 secondes en fonction de la durée. C'est un sort qui est très puissant, il y a beaucoup de choses dedans, mais genre beaucoup. Et c'est pour ça que le sort est intéressant. C'est pour ça que Galio, d'ailleurs, c'est fort. C'est ce sort-là qui rend Galio fort contre les AP. Les autres le rendent fort contre à peu près tout. Vous avez le E de Galio. Alors là, c'est assez simple. Le Galio, il y a deux composantes. Il y a les valeurs. Ok, c'est un dash qui fait une projection dans les airs, qui sert à principalement à interrompre les gens et à mettre votre auto derrière. D'ailleurs, ça se voit dans la gestion. Vous avez l'auto qui passe à tous les coups pendant le bump. Ça fait des dégâts aux champions, ça traverse les non-champions et ça fait 80% de ses dégâts, et ça traverse pas les murs. Ça fait des dégâts qui montent en x3 à peu près, un peu moins de x3 d'ailleurs, et un délai de récupération qui passe de 11 secondes à 7. Ok. C'est un sort qui a une composante où vous reculez, puis une composante où vous avancez. En fonction de comment vous timez ça, dans quelle direction vous avez... Si vous avez un sort qui vous arrive vers vous et que vous le faites perpendiculairement, vous avez un sort qui arrive là et que vous êtes là, vous pouvez juste vous permettre de faire hop, hop, et de l'esquiver. Ça peut être plus rapide qu'un flash. S'il arrive et qu'il est en bout de course et que vous êtes touché en bout de course, vous faites hop, il disparaît, vous engagez. Vous voulez tanker quelque chose et vous enfuir. Mettons, il faut vous remettre devant un AD carry, vous reculez, et puis vous réavancez dans la direction de votre AD carry de manière à pouvoir jouer. Ce sort, il a une expression monumentale sur quand vous le mettez la direction. Les bons Galio, ils vont vous engager des ranges, vous comprenez pas. Les bons Galio, ils vont vous pseudo-insec. Parce que dans les faits, vous pouvez faire un truc, c'est que si vous êtes au corps à corps de votre adversaire qui fuit vers sa tourelle, vous pouvez reculer et leur taper en le poursuivant. Ou vous pouvez juste... reculer dans la direction à laquelle il avance et le taper immédiatement, ce qui fait qu'il va moins loin. Il y a beaucoup d'expressions dans ce sort. Pensez 360 degrés quand vous le prenez et quand vous l'utilisez. C'est ça qui est important. Ensuite, on va arriver au R de Galio. Et au R de Galio, vous allez comprendre pourquoi le Z de Galio il est si fort. Vous avez un sort qui vous permet donc d'arriver
Après un court chargement, vous vous envolez et ensuite vous avez un déclenchement qui vous permet d'arriver sur une zone, la durée fixe. Et accessoirement, ça va bump tout le monde et il y a un bump et un léger déplacement. C'est, grosso modo, ils mettent 0,75 secondes, mais dans les faits, c'est moite-moite. Il y a le déplacement qui dure la moitié du temps et ensuite vous restez bump, même si ça se voit pas trop visuellement à la direction. C'est un peu particulier. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait des dégâts corrects pour un sort de zone. Assez faible, mais correct. Le dé de récupération est très long parce que c'est un global, le coup en mana est long et haut parce que c'est un global, et la portée est plutôt intéressante. Monte pas tant que ça, paradoxalement. Un Galio level 6, c'est pas beaucoup moins dangereux qu'un Galio level 16. Là où Nocturne level 16, ça vous attaque de partout avec un CD qui est minuscule. C'est pour vous donner c'est des globaux qui sont assez proches. Ce qui est intéressant, c'est que c'est ciblé sur un allié. Tous les champions alliés dans la zone reçoivent le bouclier du passif de son Z. Donc X% de vos PV max. C'est pas mal. Ça veut dire que si vous avez un gros bouclier ici, un Z qui a été maxé au pif, vous allez aider plus vos alliés. Alors, c'est pas toujours bien parce que bon, quand vous allez bot, il n'y a pas toujours des AP. Quand vous allez top, il n'y a pas toujours des AP. Mais vous avez un peu la punition du CC, donc les gens sont obligés de gérer. Et s'ils prennent le CC, vous, tout votre combo va passer. Tout le reste. Vous avez juste à A, Z, ce genre de choses-là, ça marchera. Mais c'est vraiment votre Z et le passif qui vont bien fonctionner. Il y a aussi une autre chose, qu'on ne sait pas trop. Galio, je vais vous mettre... Quand il s'élève dans les airs, là, au moment où il prend son appui, on peut l'interrompre. Une fois qu'il a commencé à partir, il devient immune à tout. Ça veut dire une chose... Si vous mettez ça et que Mordekaiser erre au mauvais moment, au revoir le R de Mordekaiser. Vous êtes une Camille, vous avez Extech Galio. Galio il sort de votre zone au moment où il a une immunité au déplacement et au CC. Accessoirement, ça dure la moitié du temps de chargement, qui est de l'ordre de 2,5 secondes, le tout au global. Donc en 1,25 secondes, si vous avez un allié à porter à moins de 4000 ou 5500 ranges selon votre niveau. Ciao, bye bye! Vous avez un formidable outil d'escape. C'est une téléportation, hein, franchement, mais une téléportation qui s'active en 1,25 secondes. C'est très 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 puissant. Et là, vous comprenez donc pourquoi Galio, c'est un champion sur lequel... en fait, tous les sorts, quand vous les montez, c'est assez sympathique. La question, c'est lesquels on préfère monter, qu'est-ce qui fait vraiment sens, et pour ça, on va passer au sort et l'ordre dans lequel on les monte. Et nous voici sur les sorts. Alors, vous avez donc un max Vanguard, qui est très évident. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que vous maxez en second ? Vous voyez votre R ? Les ratios qui scale en fonction... Enfin, l'output de votre R qui scale en fonction du Z ? Bah, c'est pour ça que le Z, ça marche mieux. Foncièrement, le E est un bon sort à monter. Il n'y a rien de mauvais. Avoir plus souvent un sort de déplacement, oui, c'est toujours cool. Le problème que vous allez rencontrer... C'est que le Z, c'est tellement plus puissant. Bah, les dégâts, ils montent bien. Ils se triplent très rapidement quand vous scalez à fond. Votre E, en fait, va surtout dépendre de... Qu'est-ce que vous avez à mettre ? Parce que, bon, mettre un E, c'est bien gentil avec Galio, mais s'il n'y a pas de Vanguard, s'il n'y a pas de Z à mettre, bah, c'est pas très utile. Donc, gardez le CD du E relativement élevé pour rapprocher les CD du A et du Z de CD du E pour tout synchroniser. Bah, c'est ça qui est le plus efficace. Et c'est pour ça que vous allez toujours maxer la première branche. Même si vous voyez en termes de winrate, vous faites un gros cran en dessous, mais c'est pas non plus abyssalement mauvais. Je vous déconseille de faire ceci. Au niveau des summoners, par contre, vous avez d'autres choses à aller chercher. Au niveau des summoners, ce qui va vous intéresser, ça va être de jouer TP. De jouer Ignite, de jouer Ghost et de jouer Ghost. Pourquoi est-ce que ça marche tout ça ? Ça marche parce que déjà, si vous avez un global qui fait que vous vous projetez vers les alliés comme Shen, vous allez avoir tendance à vouloir faire une chose qui marche toujours très bien, c'est TP back sur votre lane. Galio, c'est paradoxalement très bon perso pour TP dans le lot des gens. Parce que vous voyez, tous ces sorts, ils sont relativement lents, ils ratissent une large zone, donc quand vous allez TP avec le bonus de move speed de la téléportation et avec les runes dont on va parler, où il y a pas mal de choses à aller dire, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez un champion qui marche bien. Il va vite. Ça lui va bien. L'Ignite, c'est parce que Galio, ça a beaucoup de dégâts, vous remarquerez, et ça a beaucoup de dégâts tôt dans la game. Donc, à partir du moment où vous avez ce genre de dégâts qui traînent, jouer Ignite pour rouler sur votre match-up, ça marche.
Vraiment, il a des CD longs, donc rajouter une Ignite pour rentrer un adversaire dans la zone de Burst, ça fonctionne. Il faut être un expert, mais il faut savoir le jouer. Flash Ghost, si vous n'avez pas besoin de téléportation, que vous ne pouvez pas vous jouer Ignite pour autant, bon, vous êtes bien au courant que vous avez un champion qui appuie sur R. Si vous appuyez sur Ghost à ce moment-là, pour toucher votre taunt et le reste du fight, du début du fight, vous êtes bon. Comme vous avez déjà un outil qui vous permet de rentrer dans le fight, le Ghost peut vraiment être utile à servir dans le fight au global. Et donc ça marche. Idem typiquement, ou si vous savez jouer sans flash, parce que grosso modo Galio, il n'y a pas tant de choses que ça à faire avec les flashs ou ce genre de choses-là, le taunt flashé, ce genre de bêtises. Mais si vous avez un Ghost et une téléportation, vous pouvez avoir accès à vos TP dans le dos, à votre capacité à vous déplacer quand même, et avoir ce supplément de déplacement qui fonctionne. Sachant que si vous appuyez sur Ghost au bon moment, vous avez un bonus de move speed avec les runes dont on va parler dès à présent. Parce que mes amis, pour les runes, c'est pas très compliqué. On va enlever les runes bizarres, déjà. Et on va se concentrer sur les runes de Galio. Et grosso modo, vous allez avoir, je vais vous présenter surtout deux écoles. L'école ici, d'Aftershock, et l'école d'ici, d'électrocution. Vous avez les autres écoles, je vous en parle après. Si on se concentre sur les verts, ce qui va se passer, c'est que vous jouez avec un Galio qui va avoir tendance à taunt les gens, qui va avoir une réduction de CD à ce moment-là, et accessoirement, quelques ratios AP qui scale en fonction de votre MR magique. Dans cette rune, il y a énormément de MR. De résistance magique, pardon. Il y a énormément de résistance magie ici. Galio est un personnage qui s'auto-shield, donc gagner des résistances grâce à coup de bouclier et un dégât au moment où votre shield revient, qui vous permettra en plus, et c'est ça qui est à prendre en compte, d'avoir de la résistance magie qui va dans vos ratios, et ça c'est absolument génial, et vous avez des dégâts sur votre prochaine auto en fonction de vos PV max, de la valeur du bouclier. Vous avez un bouclier qui scale en fonction de vos PV max. C'est normalement très bon. Ensuite, Galio est un personnage très early game qui va faire face à des ranges ou à des persos qui vont tendance à vouloir le combo. Résultat des courses, oui ça marche conditionnement, mais les deux autres sont meilleurs. Contre range, contre comboteur. Jamais cette rune là, je vais finir par faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi, mais c'est prouvé que si vous n'êtes pas un support ou spécifiquement que vous allez vous faire dive level 1 top, et que vous avez déjà un bouclier de Doran, ce genre de choses-là, enfin, vous avez pris tout ce qu'il vous faut, cette rune n'apporte pas grand-chose comparé à celle-là qui va vous offrir beaucoup de PV max au niveau 9. Galio est un midlaner ici, donc il va avoir beaucoup de points de vie, et ça va vous permettre de jouer plus agressif après. Une fois qu'on a dit ça, on a l'école électrocution. L'école électrocution, c'est faire des dégâts. Voilà. Vous avez l'électrocution qui marche très bien dans les combos de Galio. Vous avez rue offensive qui fonctionne sur votre prochaine auto. C'est normal dans le combo de Galio de faire un E qui est un dash et de mettre votre passif qui est une auto. Donc faire des dégâts supplémentaires, c'est cool. Accessoirement, plus de dégâts, c'est sympa. Et la véritable question, c'est qu'est-ce que vous prenez en bas? Et là, choisissez. Vraiment. C'est à vous de voir en fonction de matchup de comment vous le sentez. Si vous avez chasseur ultime pour jouer plus sur les sides, ça marche. Si vous voulez jouer chasseur acharné pour arriver plus vite sur les sides en position, ça marche aussi. Et si vous jouez chasseur de trésor parce que vous êtes là pour clap votre lane comme un gros dieu que vous êtes, ça marche. Et accessoirement, il y a l'option ici que je ne vous conseillerais pas de jouer parce que c'est juste des experts qui la jouent, c'est pour ça que ça monte le win rate. Si vous connaissez parfaitement votre matchup, vous savez que vous pouvez pas jouer à l'électrocute mais que vous voulez jouer agressif quand même et que vous êtes tranquille dans votre matchup, vous pouvez jouer à la Dark Harvest. Les autres, c'est très simple. Soit vous avez un matchup range où vous voulez lancer des vents de guerre et essayer de l'avoir au push comme ça à la comète, ok ça marche, j'ai pas particulièrement de problème avec ça. Soit vous avez des combos où vous êtes sûr de pouvoir rentrer mais vous voulez sortir vite. Et dans ce cas-là, le rush phasique, c'est assez sympa. C'est notamment très cool si vous arrivez à proc votre rush phasique avant d'avoir mis votre taunt, parce que rush phasique va vous protéger du self-slow de 15%, et accessoirement vous permet d'avoir plus de move speed de votre adversaire pour juste tourner tes lunes toupies autour de lui sans qu'il ne puisse rien faire et avoir tous les dégâts du taunt. Après, c'est est-ce que vous voulez de la mana, est-ce que vous voulez, et on en parle juste après, de la move speed. Et ce que j'aime pas trop dans cette page de runes, c'est que oui, elle est forte, mais... Alors, vous avez des dégâts quand vous êtes full life, ouais ok c'est cool. Vous avez du reset de CD, ça c'est sympa, et brûlure. Mais le truc c'est que vous êtes principalement en train de mettre une comète, en train de mettre brûlure, ok. Pourquoi pas juste jouer électrocute dans ces cas-là? C'est ça ma question, et c'est pour ça que je vous conseille pas spécialement de jouer au début ces trois autres runes. Parce qu'elles sont très compliquées à jouer. Et qu'avant avoir des vrais défauts, ici vous avez que des dégâts.
Ici, vous avez des dégâts, de la mana, de la move speed, de l'ability, c'est un peu de dégâts. Ici, vous avez que du tanking. Et que des dégâts, que du tanking, c'est vous jouez sur le « j'ai des gros ratios AP » ou vous jouez sur des « j'ai des gros ratios points de vie et résistance magie ». En bleu, vous jouez pas spécifiquement là-dessus. Donc il faut réussir à vous passer de ces aides-là, et c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Une fois qu'on a dit ça, passons sur les runes secondaires. Les runes secondaires, si vous voulez vraiment survivre à une lane, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller chercher Absorb Life et d'aller chercher Legend 8, parce que c'est assez sympathique, sur Galio. Notez qu'il y a aussi des Galio qui vont chercher de la mana ici, je ne vais pas trop en parler. Vous avez les Galio qui veulent jouer un peu plus agressif. Je pense que si vous voulez jouer agressif, jouez dans ces runes-là. Éventuellement, si vous jouez comme aide, vous pouvez jouer ça. Mais dans ce cas-là, prenez pas chasseur ultime, prenez chasseur de trésors. Quand vous êtes à jouer Comet, à essayer de jouer avec un Andoran brûlure et que vous voulez investir sur les rouges et des dégâts supplémentaires, genre, vous êtes là pour clap votre phase de lane, fin du débat. Vous êtes là pour éclater la game en termes de stats, fin du débat. Prenez chasseur de trésors. C'est l'esprit des runes qu'il faut garder en tête. Pas le micmac. Soit vous fichez un peu vos runes et vous faites des micmacs, soit vous allez dans l'esprit, vous prenez votre rune fondamentale, pardon, et vous jouez dans l'esprit de cette rune-là et vous allez chercher soit ce qui compense un tout petit peu, soit vous jouez à fond. Et quand vous êtes en disant « je veux crush ma lane quoi qu'il arrive », mettez toutes les chances de votre côté. Quand vous voulez dire « je veux survivre à ma lane quoi qu'il arrive », mettez toutes les chances de votre côté, c'est votre level 1 à 6 qui prime, les runes qui sont après, vous vous en fichez. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. C'est un problème qu'on peut rencontrer avec les joueurs pros où de temps en temps, ils essayent de s'en sortir avec le moins de runes défensives possible en essayant de jouer des runes qui sont vraiment pas optimales ou vraiment pas sympathiques pour essayer de survivre à un move qui se passe de temps en temps en level 3. Ça, c'est à prendre en compte. Vous avez ensuite, une fois que j'ai dit tout ça, les runes bleues. Et les runes bleues, vous allez comprendre pourquoi elles sont fortes tout de suite. Galio, si vous flashez ou si vous appuyez sur Ghost ou Ignite, vous obtenez un gros boost de move speed qui vous permet de lord votre taunt. Vous êtes un champion qui a des cooldowns très longs, qui va avoir tendance à les mettre et à prendre un kill dessus si ça se passe bien, donc vous avez un bon reset. Je vais vous conseiller ces deux pages de runes, ces deux runes-là. Et si jamais vous les avez déjà, ou que vous voulez vous en passer, vous avez les runes défensives qui fonctionnent très très bien aussi. Et pour les gens qui veulent vraiment jouer sur leur summoner, et typiquement, vous jouez déjà les bleus. Là, 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 là. Phase de lane OP. Soit vous allez chercher vos rouges, soit mieux, vous allez chercher beaucoup de régène en lane, beaucoup de mana pour pouvoir spammer ces sorts qui sont très importants. Et vous avez votre flash plus régulièrement pour activer ça. Et c'est ça que je peux vous conseiller de faire. Et une fois qu'on a dit tout ça, vous avez compris tout l'esprit des runes, on va pouvoir passer sur la suite. Au niveau des starters, c'est pas très compliqué Galio, vous avez véritablement trois options et ces options sont assez simples. Soit vous allez chercher un anneau de Doran, le classique, soit vous faites face à un match-up qui va vraiment vous hammer. Typiquement les ADC top, ou les personnages qui se comportent comme un ADC en early game, TF, ce genre de choses-là, vont vous poser énormément de problèmes, contrairement à des persos comme Akali où vous avez juste à jouer sur la move speed, ça va bien se passer. Et vous avez le saut noir quand vous êtes sûr de votre match-up, qui va donc vous permettre à ce moment-là d'aller faire les bêtises dont vous avez besoin, de prendre l'avance. Et typiquement, si vous jouez des match-ups avec des cookies, que vous voulez jouer ces match-ups en rune bleue, en rune rouge, saut noir, c'est quelque chose que vous allez avoir tendance à vouloir faire. Sinon, n'hésitez pas à prendre un saut noir lors de votre premier bac. Juste ça. Gardez ça en tête. Parce que Galio, avec ses ratios AP, si vous passez un saut noir tout en jouant en tank, vous êtes bien. Si vous passez un saut noir tout en jouant AP, vous êtes bien. Le saut noir, c'est vraiment pas risqué pour Galio. Il y a des points de vie, il y a de l'AP, ça coûte pas cher. Prenez-le, ça fonctionnera. Et si on va regarder, pardon, mes amis les bots, là vous avez beaucoup de choix. Parce que, en tant que personnage anti-magie, vous allez en général le prendre contre des mages, donc prendre de la résistance magie qui va scale dans vos sorts, c'est vraiment cool. Surtout, si vous rajoutez des points de vie dessus avec votre passif, vous allez être plus tanky que la moyenne. Galio va avoir tendance à prendre des AP en face, des AD en face de lui qui sont son contre naturel, puisqu'on ignore les dégâts magiques, et donc il y a une partie de son kit qui ne fonctionnera pas. Et à partir de ce moment-là, les tabis sont à peu près obligatoires. Et il y a tous les galios qui gagnent. Et là, c'est bot du sorcier, bot de lucidité pour avoir plus souvent votre flash. Ou, si jamais il y a une quantité de slow qui est non négligeable, vous pouvez prendre des bots de célérité. Vraiment, ces 5 bots sont bonnes. Je vous ai donné les cas d'usage. Franchement, ces 5 bots sont bonnes. Faites-en bon usage et normalement, ça se passera bien.
on est de retour directement, on va pouvoir discuter des items. Et là, vous voyez qu'il y a énormément de choses, parce que Galio, c'est un champion qui joue tout. Pourquoi ? Grosso modo, on va parler des rushs, déjà. Galio, vous avez toutes les options tank. Cape solaire anti-mage, qui est la base, qui fonctionne bien. Vous avez la cape solaire anti-AD, si jamais vous faites counter-pick. Vous avez l'option « Je joue sur mon passif ». Et je vous l'ai dit, si vous arrivez à trouver notamment un premier passif, un deuxième avec ce genre d'item, vous allez vraiment faire trop de dégâts pour vos adversaires. Ça vous donne beaucoup de move speed qui vous permet de vous positionner, c'est sympa. Vous l'avez vu, le kit de Galio est un kit un peu lent qui nécessite le move speed un peu partout. Et résultat, un item support sur Elia que vous pouvez activer au moment où ça vous intéresse. Bah, typiquement quand vous appuyez sur Z. Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose ? L'item a tout pour vous. Et vous avez aussi les options de Galio qui veut s'approcher avec une proto-belt. Vous avez les options de Galio qui veut jouer de loin en vanguard et vous faire des dégâts avec un Riley, ça marche. Vous avez les options de Galio qui joue très tanky, avec beaucoup de mana. Ça marche aussi, je peux pas dire que c'est nul. C'est des trucs que je vais vous conseiller de tester. Vraiment, c'est un champion... Il a cette chance-là, vous n'êtes pas coincé sur les objets. Vous faites ce que vous voulez, ça va avoir des avantages et des inconvénients. Plus vous partez squishy AP, plus vous êtes sharp pour toucher, plus vous partez move speed, plus toucher c'est facile, mais en général vous allez avoir moins de dégâts. Plus vous partez tank, vous allez en général pouvoir toucher, mais tuer c'est plus dur. C'est vraiment le spectre. Et typiquement, quand vous êtes sur ce genre d'item, vous allez être dans le mix bizarre de « j'ai beaucoup de points de vie, beaucoup de mana », une mobilité qui est pas folle, mais ça va. Et surtout, j'ai de la paix. C'est le mix tank AP qui fonctionne. Je ne vous conseillerais pas de prendre le créateur de fight tout de suite ou une Rabadon first. Voilà, Rabadon first, si vous la touchez. Bravo, mais... Alors, vraiment, Rabadon first, il n'y a pas de premier item dans le build de Galio qui vous dit j'ai une grosse baguette à faire. Et là, au pif, si j'ai un bon bac à 2000, Rabadon... Non. Ça marche pas comme ça. Là, Rabadon, vous devez passer une grosse baguette en premier. Ensuite, vous devez passer une deuxième grosse baguette. Et après, vous devez passer une Rabadon. Ça marche sur des personnages qu'on a laissés vraiment tranquilles. Vladimir, typiquement, Rabadon first, c'est son start. Galio, je vais pas conseiller. Ensuite, c'est vraiment, vous choisissez les options que je vous ai données. Donc, full tank, AP squishy, move speed et autres. Et on va construire à partir de ça. Si vous partez full tank, vous continuez full tank. Si vous partez AP... Mais Mousspeed, vous pouvez continuer en prenant un créateur de faille qui va très bien scale sur vous. Vous allez rester en combat longtemps. C'est ça qui est intéressant avec le Liandry et le créateur de faille, ce qui vous permet de faire un créateur de faille. Si vous partez Mousspeed, n'hésitez jamais à faire une volonté cosmique. Ça fonctionne très bien. Et si vous partez full AP, alors là, vous posez pas trop la question. Hein. La Rabadon, elle arrive. Vous voulez une onde orageuse, vous voulez un fléau de la liche, vous voulez de la pénétration, vous voulez taper sur les gens. Et très logiquement, une fois qu'on discute de tous ces builds-là, vous allez retrouver la majorité des builds qui sont un mix de tanky avec un peu d'AP, tanky pur, move speed burst. C'est ça que je vais vous conseiller de jouer globalement. Et si vous descendez un tout petit peu, vous allez commencer à avoir des builds un peu plus bizarres parce que ils sont liés aux conditions de la game. Mais là, vraiment, vous avez les options qui vous intéressent à cet endroit-là. Parlons un tout petit peu d'assemblage des builds pour vous montrer les dernières versions. Et nous voici arrivés, on va regarder les builds tank full AP support. Donc, du coup, si je vais regarder, vous avez le build tank. Le build tank, je vais vraiment vous conseiller de jouer comme ça. Vous ne posez pas trop la question. Moi, la véritable chose que j'attends d'un Galio tank, c'est qu'il tank très fort les AP. Son petit supplément de dégâts, il est assez sympathique parce que ça va lui permettre de rester dans la mêlée. Et accessoirement, de continuer à être plutôt un disabler. Donc vous êtes un personnage qui va gérer les ADC, moins il vous auto, mieux on est. Un zonia, c'est très cool pour Galio pour reprendre de la paix. Ou vous cherchez. Vous pouvez tout à fait, au niveau des items, aller chercher des items avancés le Jacques Chaud, ajouter des items tank très rapidement, vous passez complètement d'AP. Vous voyez, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, mais je vais vous conseiller principalement ces runes. Typiquement, vous apercevez que vous êtes tank, mais vous pouvez jouer un peu plus AP, et vous faites un zonia. Et si jamais vous n'avez pas à faire le cœur gelé, vous faites une Rabadon, vous pouvez transitionner tank à partir d'un item AP. Galio, c'est versatile au niveau de ses builds. J'ai rien à dire là-dessus. Le build support, je l'appelle support comme ça parce qu'il est assez sympathique de base. Je vais vous le conseiller de jouer de la même manière, même si, à ce niveau-là,
Eh, vous avez de la monk speed pour toucher, hein. Ça peut fonctionner. Dans ce cas-là, je me passerai du Nimbus parce que vous avez déjà beaucoup trop de monk speed pour vous et j'irai plutôt chercher ce genre de choses-là pour essayer d'avoir un peu plus votre flash pour déclencher ce genre de choses-là à la limite et surtout un early game plus fort. Mais vous pouvez toujours continuer à jouer avec les runes classiques que je vous ai fournies. C'est pas forcément mauvais. Galio, c'est un champion qui est très classique au niveau de ses runes, hein, flash TP, ce genre de choses-là. Avec les shards ici, c'est toujours le cas. Et grosso modo, ce que vous voulez, c'est le Shurelia, parce que 50 d'AP, 15 d'ability et 5% de move speed, 125% de régène de mana, c'est cool. Le tout pour 2200, et au moment où vous avez l'actif, si vous vous posez pas trop la question, vous appuyez dessus, vous touchez votre adversaire. C'est très facile. Et une fois que vous avez le Cosmic Drive, la move speed que ça donne, de base, c'est bien, l'ability, c'est bien, l'AP, c'est cool, l'AP, il y en a pas mal, et surtout, la move speed passive quand vous touchez les gens. Et ça, c'est OP. Et vous continuez à partir AP. Pour moi, c'est ce que je vais vous conseiller de faire à ce niveau-là. C'est de continuer à partir AP. Vous avez bien entendu l'autre option qui est de prendre un fléau de Lich ici pour avoir de la move speed de base un peu plus élevée. Parce que le fléau de Lich, c'est 8% de move speed, plus d'AP et de l'ability. Et vous échangez la move speed contre des dégâts ici. C'est ce qu'on va voir dans le build full AP. Où là, je vais montrer un peu plus. À ce moment-là, le full AP... Franchement, je vais vraiment commencer à vous conseiller d'aller voir ça et de dire bonjour madame, je veux crush. Donc ça, c'est pour jouer des trades et ça, c'est parce que vous voulez peut-être même jouer ça, mais je vais vous conseiller la rune de sustain parce qu'elle est vraiment puissante et ensuite Overgrowth est si fort sur Galio que je peux pas vraiment vous conseiller autre chose. Ou sinon, vous allez jouer vos runes qui vous permettent d'avoir de la présence en lane. Celles-là sont pas très utiles si vous voulez avoir de la présence en lane. Y a pas grand-chose à en tirer. Et c'est ça que je vais vous conseiller de faire. Et du coup, ensuite, à partir de ce moment-là, vous avez une Lich Bane, vous faites votre saut noir. Si vous partez pour clapper les gens en full AP, faites un saut noir si ça se passe bien. Vous allez ensuite obtenir votre Mejai qui va vous donner trop de stats. Une fois que vous êtes au Cosmic Drive, vous continuez. Si vous avez un Mejai, la question c'est est-ce que vous faites un Zhonya ou un Abaddon. Mais prenez de la pénétration à la fin. Galio, ça a l'air d'être un champion qui n'a pas trop besoin de pénétration. Parce que fondamentalement, c'est pas vous qui allez tuer les tanks. Mais... vous pouvez en vouloir, et c'est très puissant la pénétration sur Galio, globalement, vous voyez, il a de bons dégâts de base. Et si jamais vous voulez prendre, vous allez chercher dans AP, et vous avez vu que le Liandry, c'est toujours une option qui marche. Parce que le Liandry, il a le même passif que le Riftmaker, Riftmaker qui vous donne de l'AP de base, et surtout vous avez du stacking qui vous permet d'obtenir de l'Omnivamp. Le Liandry, c'est un peu, j'ai plus de dégâts, je fais des dégâts de base, et... pour chaque seconde que je suis en combat avec des champions, je gagne 2% de dégâts en plus. C'est deux manières de voir des dégâts supplémentaires. Il y en a une qui va plus se shred les PV max, et il y en a l'autre qui va plus regarder les tanks et va dire « Eh, vous savez, j'ai 10% d'omnivamp et beaucoup de dégâts. » Et beaucoup d'AP. Parce que c'est probablement un item qui a 2% des points de vie bonus. Vous dites que si vous avez 2000 points de vie bonus, c'est de l'ordre d'un véritable item AP avec un passif et de l'ability haste et des points de vie. En général, vous avez... pas tout à la fois. C'est pour ça que l'item est très puissant si vous stackez. Et vous avez bien entendu un build path qui est assez sympa. Une fois qu'on a fait ça, on a tout dit sur Galio. Normalement, tu es prêt à aller clap en solo queue. C'est un champion qu'on oublie beaucoup la mid lane, qui est très puissant. Et si tu veux aller un tout petit peu plus loin, je te redirige vers mon Patreon, où j'ai des vidéos qui vont être un peu plus centrées sur les mécaniques de jeu, ou juste avoir des reviews de tous ceux que je coach, de manière à comprendre ce qui va te manquer pour faire la différence dans tes games. À partir de ce moment-là, t'as juste à comprendre tes combos sur Galio et ça se passera bien. On se dit à plus pour une prochaine vidéo, à plus en lane.